C'est quand même très très violent. Et là, le défi est de taille pour TKD puisqu'il va être opposé à Pamyu, le meilleur boxeur japonais avec un crossbody cross-up qui passe. La glissade, le vortex il s'installe, overhead, balai kick, bas médium. Le run cancel, cassé par jab, balayette. Oh, il a pris ça, kick combo. Il reprend une balayette d'Ashopper pour se rattraper, charger la barre de super. Le soir, il punch sorti un peu trop tôt, cassé par le bas gros point de Fuerte. Il prend un ex headbutt sur la tentative de mix-up. Enchaînement de light headbutt d'Ashopper avec Zwakamol pour se sortir du coin. Il prend un kick dans la tête immédiatement. TKD qui se met à distance parce que là, il a pris crochet du droit. Voilà. Petit tortilla qui passe avec vortex de relevé. Tortilla, bien joué. Attention au stun, attention au stun. Tortilla, troisième, un festival. TKD, est-ce qu'il va s'arrêter un moment? Ah, il a totalement raté son high punch en midi. Allez, ultra réflexe. Boum. Flying Gigabuster. TKD qui prend le premier round face à Pamyu, mesdames et messieurs. Tout simplement incroyable. TKD qui est on fire avec son catcher mexicain. Oh, c'est jouable. C'est jouable, les amis. Je vois déjà. Oh, bien joué. La chop à l'air chop après le run avant. La tortilla évitée par un backdash. Au gros pied. Enchaînement de la SNI kick. Bien joué. Ex back run. Tortilla. Ça part dans la tête. Et TKD qui fait le course en avance. Ex dash pass pour éviter le vortex de Fuerte. Il avait pas trop de choix là-dessus. Malheureusement, Pamyu. Et Fuerte qui fait la course en avance. Il cherche la barre de super avec quelques guacamole. Le crossbody anti-air. Dash 3. Ça passe dans la garde. Tortilla encore. Tortilla, attention à la relevée, il prend un butt. Aïe 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 aïe, l'ultra encaissé, c'est normal. On peut pas toujours mixer, toujours réussir ses mix-up. Il est dans le coin là-dessus. Exocamol pour s'en sortir. Bah, light punch, and light punch, balayette, empty jump, chop. C'est déchopé par TKD. Allez, il a plus son ultra maintenant. Toi, tu as encore la tienne, il peut pas sauter. Le smash cancel. Dash avant, chop. Dans le exocamol à relevé, turn around punch, enchaînement light, décalage, chop. Oh, c'est terrible le mix-up. Que fait ici Pamyu? Oh là, décalage. HK. Heureusement qu'il réussit à trouver un wall jump, le pauvre TKD. Mais qu'est-ce qu'il a pris? Il va essayer de trouver ici le corps à corps, mais ça va être difficile parce que là, à mon avis, Pamyu il va être en mode turtle full camp. C'est impossible d'aller le chercher à présent. Dash smash, c'est évité par crossbody. Mais que dis-je, tortilla? Je dis n'importe quoi, bien sûr que c'est impossible d'aller le chercher. Allez, un vortex et encore un tortilla. Il va le faire, TKD, il va le faire. Ah, le tortilla évité par le backdash ce coup-ci. Il faut bien réussir. Allez, on se voit avec ça, bleu, réflexe ultra. Oh, c'est cassé. C'est par Stan Medium Punch. C'est cassé par Stan Medium Punch de la part de Pamyu. L'ultra sorti un dixième de seconde trop tard. Et Pamyu qui a le temps de punir. Absolument incroyable. Oh là, l'agression. Bien joué la glissade dans le dash upper. Et ici l'headbutt qui passe dans le vent. On donne un petit avantage à TKD. Ce genre de truc. Double drum kick puni par A. Dash 3, H kick, dash mash, dash hopper, H kick, balai punch, décalage. Voilà, tu as bouffé ta chop là. C'est pas possible, tu peux pas continuer à agresser. Ouais, backdash, ça c'est nul. Tu te prends immédiatement la glissade. Le ex back run, tortilla. Alors relevé, très bien joué. Allez, on mixe la glissade, chop. Bon gros tic trop en frame trap des familles. Soit high punch, re-chop. C'est parti, on s'en va pour un gros stun. Tortilla, le mix-up qui est installé. Allez, TKD, soit high punch dans le backdash. Oh, soit arrière high punch de la part de. Pamyu qui a ici scié complètement le pauvre TKD à la relevée. Le crossbody qui ne passe pas. Bah, HK qui whiff totalement sur TKD qui est en avance à l'énergie. Qui est sur le point de le faire. Il va peut-être pouvoir réussir à sortir le meilleur boxeur du Japon après avoir réussi un exploit face à MDR. TKD qui s'y feinte. Dash smash, ça passe dans la garde. Ex dash chopper, chop, c'est déchopé. Très bien joué de la part de TKD. Immédiatement wall jump et. Allez, salut. Moi je me barre, j'ai un train à prendre. C'est par ici la sortie. Tu te casses évidemment ou tu ne cherches pas le corps à corps. Tu en avances, il faut zoner, il faut rester tranquille. Dash smash, ça passe dans la garde. Oh, ça arrive, high punch qui vient trouver ici l'entière sur le tortilla en ex back run. Ex run crossbody, bien joué de la part de Pamyu qui envoie un dash très qui fait cross down. Ainsi il peut punir le crossbody avec un bash qui a super. Superbe, tout simplement superbe. Les deux méritaient de gagner. Ils ont fait un superbe match. Tout simplement magnifique. Et ce réflexe de Pamyu à la fin, ce réflexe. Le dash trait ici pour passer sous le crossbody. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? C'est, voilà, c'est du caviar, c'est de la crème. C'est tout simplement superbe. TKD a fait deux matchs absolument magnifiques. Tout simplement magnifiques. Y a rien à dire. Rien n'est acheté là-dedans. Rien n'est à jeter. Tu prends tous ces matchs. C'est superbe. La suite, je ne l'ai pas, je vais vous la dire. Pamyu qui crucifie tout simplement Fudo
et qui permet à son équipe, Pamyu Icho MDR, de se qualifier pour les quarts de finale de ce tournoi national. Voilà, on retrouvera donc le meilleur boxeur du Japon, le meilleur Rufus et un des top Sagat japonais dans les quarts de finale de ce tournoi national. Élimination de la team de Fudo. Donc.